Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix de Belgique sur la saison 2014. Où, je pense, en tout cas, ça me semblerait logique, mais rien n'est logique dans ce jeu, potentiellement faire sous la pluie, donc on verra bien. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Le setup, on va augmenter. Ouais, ce que je voulais faire. Je vais augmenter la vitesse de pointe parce que c'est un circuit qui a deux grosses lignes droites, voire quasiment trois. Donc on va faire go to track et démarrer du coup les qualifications de ces Grands Prix de Spa-Francorchamps, n'est-ce pas? Le lieu où tout bascula chez Mercedes dans la lutte pour le titre entre Rosberg et Hamilton. Après l'incident du premier virage, ou du second, je sais plus. J'ai raté mon premier virage, incroyable. Dès le début, j'ai raté mon premier tour. Alors, je me suis rendu compte en faisant des réglages sur un autre jeu que le joystick en fait de la manette avait, quand j'ai calibré qu'on pouvait voir où se positionnait la bille par rapport à la réalité, mais en fait quand je tournais à droite des fois il perdait ça perdait complètement le contrôle, d'où le problème que j'ai peut-être eu en Allemagne la dernière fois. Donc espérons que ce soit un petit peu réglé là, enfin je sais pas trop, on verra bien. En tout cas, ce circuit de Belgique qui est un circuit le plus intéressant du championnat bien sûr, à l'ancienne, même si beaucoup de dégagements ont été créés au fil des années, hein, notamment ici. Et même là, où avant c'était du gravier. Alors j'ai peu d'appui, du coup dans les virages rapides c'est un peu compliqué. Dans le virage plus lent, c'est un peu mieux. Il y a une droite aussi. Je suis en retard. Et donc, ouais, ce Grand Prix qui avait pénalisé les deux Mercedes, oui. Puisque même si Rosberg s'est retrouvé devant, il a eu quelques soucis ensuite. Et j'ai raté. Ouh, je vais partir très très loin. Oh mon dieu, j'ai oublié de mettre le DRS. Pardon. J'ai raté complètement la dernière chicane. J'ai freiné très tard. Quand je vois les écarts des autres derrière, je me dis que ça va finalement, mais bon. Comme d'habitude, on va essayer de faire un bon départ. Allez, le setup. Il y a comment ce tour, évidemment, parce que c'est un circuit qui est plutôt long, 7 km. Par contre, c'est moi ou c'est pas beau? Bon, apparemment, il ne devrait pas pleuvoir, mais on sait jamais. Donc, je vais tendre le premier run. On va partir. On va partir en prime, jusque là c'est normal. On s'arrêtera au 7e tour pour passer les pneus. Pour passer les pneus options. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on risque d'être en difficulté au deuxième secteur, et le reste potentiellement ça peut aller si on ne rate pas notre virage bien entendu. Je pense qu'on n'aurait pas raté la chicane, on serait beaucoup plus proche. Mais bon.
C'est parti! Il fait extrêmement pas beau. Attention de ne pas faire une grosse jambe au premier virage, bien sûr. En 127 on a de la vitesse. Ouh la Williams. Qui a copieusement freiné. Je sens qu'il va pleuvoir, je sais pas pourquoi. Le temps me paraît trop tellement gris. Alors j'ai pas vu combien ils sont partis, enfin à quel pneu ils ont choisi pour la course eux. On a rattrapé notre erreur en qualification, c'est déjà la bonne nouvelle. Ouais, je pensais avoir de la VMAX, mais je me rends compte que pas forcément. Ouais, ils sont un pneu. Ils ont les gommes les plus tendres devant. C'est qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une 8ème sur la chaîne. Hein. Avec tous les jeux de F1, il n'y a jamais eu de 8ème. Je trouve qu'elle freine particulièrement bien quand même. C'est une Ferrari en tête, j'ai l'impression. Pas une Mercedes. J'ai raté complètement. D'ailleurs, on s'est accroché. Oh, attention. Oh là, on s'est encore accroché devant. Avec une Ferrari, c'est deux fois hein, qu'on se prend une Ferrari malheureusement. On est combien? On est 8ème. Je lui dis l'aileron avant cassé. Alors la chance que moi je casse pas grand chose par contre. Déjà une première erreur. Le DRS est activé, ça c'est pas mal. Allez, on s'impose sur la Williams, on essaie de remonter. Ça va être compliqué par contre de remonter maintenant. Good race, keep pushing.
C'est dommage cette erreur parce que j'ai un bon rythme. Oh! Alors c'est bizarre parce que c'est une furie qui... C'est la furie Draconen, je pense. De tout à l'heure, qui est toujours pas revenue. Complètement bloquée de l'autre côté de la piste. Ah, c'est bien ça parce qu'on n'a pas gagné de position donc... Oh, je la sens tellement venir la pluie. Non, 56. On est trop loin pour avoir le DRS, donc pour le moment, pour le rattraper, ça va être un peu compliqué. On est pas mal dans l'épingle, hein. Pas dans l'épingle, dans la chicane. Chaque fois, je reviens sur eux. Oh oh oh. Alors là, je l'ai doublé, mais je suis vraiment allé comme un bourrin, par contre. Du coup, c'est pas Raikkonen, mais c'est qui? C'est Alonso? Alors, qui est en tête? C'est une Red Bull. Sûrement une Red Bull. Regardez, on va encore la Ferrari, je sais pas ce qu'elle fait là-bas. Je pense pas qu'il y ait le DRS dans cette zone. Normalement, il devrait s'arrêter dans un tour ou deux. J'ai pas le DRS encore. J'aurais peut-être le DRS parce que par rapport à lui, j'ai dépassé. Enfin, j'ai pas dépassé. Je l'ai passé juste après la ligne de détection. Donc peut-être que je vais avoir le DRS. Non, finalement, je l'ai pas. Ça commence à glisser un peu au niveau des gommes. Ouais, je me concentre quand même parce qu'on a fait une belle bêtise tout à l'heure. J'ai pas compris là, pourquoi j'ai pas réussi à tourner.
Ça fait les temps de Rome. Ah, ça rentre derrière. Ça rentre. Alors je pose la question, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Parce que s'il pleut, on peut attendre un petit peu, mais s'il pleut pas, bah on va quand même devoir passer en... Oh le missile! C'est vraiment un missile le Mercedes, rien à faire. C'est-à-dire que Raikkonen est en dur comme moi. J'ai l'impression de rouler avec une GP2 là, quand tu... à côté des Mercedes, on est tous dans une autre catégorie, c'est pas possible. Ah bah il s'est crashé, du coup. Je suis en train de changer mes gommes. Non, mais je suis bête, mais je suis bête, j'ai encore pris les mauvais. Je n'arrive pas à intégrer le nom de ces gommes. Je ne comprends rien au nom de ces gommes en fait. Pff, bah voilà, on a perdu les points. On a perdu les points parce qu'on s'est pas arrêté avec les bonnes gommes. Je suis dégoûté. Bon là on va sortir des points, c'est une évidence. Ça fait deux fois que je me fais avoir à cause de ça. Par contre j'ai l'impression que peu importe les gommes, ils sont très très rapides. J'ai changé de vue, c'est pas ce que je voulais faire! Ah, oh, c'est pas possible! Bon, ben on a perdu bêtement les points, tout simplement parce que j'ai loupé mes gommes, c'est génial. Que du bonheur.
Il me reste 3 tours pour remonter. Alors j'ai les meilleures gommes certes, mais... Ouf. Oh le chaud. Oh le chausse-pied. Oh mon dieu. Oh j'y suis allé. En même temps j'avais tellement rien à perdre, donc j'y suis allé comme un bourrin. Allons chercher Vergne, si on peut. On a 5 secondes de retard sur Vergne. Et Vergne avait beaucoup de retard sur le dixième, donc je pense que c'est mort. Ok, je vois le dixième devant. Si on peut avoir le DAS après pour gagner encore plus de temps. Allez, on enrichit le mélange pour essayer d'attraper Perez. J'ai raté copieusement la chicane. En tout cas, la Ferrari a disparu. Trois secondes d'écart sur le passage, j'ai l'impression qu'on a perdu du temps. Hein.
En plus, je crois que les Williams ont marqué de gros points. Ouais, deuxième secteur, on n'est pas bon, donc ça va être compliqué. Le truc de trop qui nous fait perdre la 10e place potentiellement, je pourrais pas l'attaquer. J'avais 8 dixièmes en plus. Bon, ça n'a pas tenu. Ah, j'aurais tellement pu passer à ce moment-là. Bon ben voilà, 0 points, bravo, erreur stratégique, connerie de trop, génial. J'ai fait toujours les mêmes erreurs parce que je n'arrive jamais à retenir le nom de ces gommes, c'est n'importe quoi. Mais enfin, c'est des choses qui arrivent, qui arriveront encore sûrement. Alors, Nico Rosberg remporte devant Ricciardo, c'était bien Ricciardo hein, qui était en tête je pense. Où veut-elle? Je sais plus. Massa 4ème, 5ème Raikkonen. Alors du coup Williams marque des points, Ferrari aussi beaucoup, du coup on va perdre des points. McLaren 6, Valtteri 7, Hülkenberg 8, 9ème, Jenson Button, 10ème Perez. Ouais, c'est pas gagné hein. Pas gagné. Alors on a fait sortir Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Décidément lui. On a fait du RP puisqu'il abandonne comme en 2014. Enfin bon, malheureusement. Allez, championnat pilote, pardon. On se fait reprendre par Raikkonen qui nous met pas mal de points d'avance du coup maintenant. On repasse à la 7ème place. On retombe à la 7ème place. Bah, les 3 meilleures équipes sont devant. Hein. Voilà, on panache plus les 3 meilleurs. Et sinon, en termes de constructeurs, bon, Mercedes, pardon, toujours intouchable. Red Bull, pareil. Et nous, bah, malheureusement, on se fait rattraper. On est ex aequo avec McLaren, qui a marqué de gros points à ce moment-là. Et ça, c'est pas la bonne nouvelle. Et Williams, ça, c'est pareil. Donc, malheureusement, il va falloir essayer de rehausser un peu le niveau. Toro Rosso a failli marquer un point. Mais bon, malheureusement, je pense que c'est dû au fait qu'on a fait abandonner deux pilotes devant. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, c'était compliqué, encore une heure. Je pense que je ne me serais pas loupé au stand, honnêtement, je pouvais marquer largement des points. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Du coup, la prochaine course, normalement, elle est à Monza, si je dis pas de bêtises. Du coup, on se retrouve pour la suite. Ciao tout le monde!